Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc comme vous le savez, donc dans quelques jours là, dans 4 jours au moment où je fais cette vidéo, va y avoir, enfin dans non dans 4 jours, ouais c'est ça, à peu près 4 jours, va y avoir donc du coup le double drop sur le jeu. Pour ceux qui veulent un peu savoir comment ça se passe, etc. Je vous conseille fortement donc du coup de regarder la vidéo, comme ça au moins vous pourrez être bien. Donc pour le jeu c'est tout simple, vous économisez un max de cristaux, vous faites juste l'énergie de base que vous avez chaque jour, et à partir de demain, le 1er mai, vous n'utilisez plus du tout de stamina pour quoi que ce soit, vous gardez tout et vous utilisez les cristaux que vous avez économisés pour du coup refile l'énergie régulière qui est l'énergie jaune en haut. Juste là, et possiblement l'énergie cantina, c'est les deux plus intéressants à économiser et à recharger. Bien évidemment, si vous avez besoin de modules ou autres, vous pouvez garder, mais en général, il n'y aura pas forcément besoin vu qu'il y a du refile, enfin de la recharge gratuite. Donc du coup voilà, moi je conseille fortement, donc du coup comme pas mal de youtubeurs, de personnes, je conseille fortement de ne pas utiliser donc du coup votre stamina à partir du 1er mai et de commencer à faire les recharges normales et cantina à partir du 1er mai. Ça vous permettra d'être à peu près bien. Vous faites jusqu'au 100 et après avoir fait les 100, là c'est à vous de voir parce que ça, 200 ça commence à être pas mal. Mais si vous pensez pouvoir le faire, bah, n'hésitez pas. Vous verrez que vous allez être très très bien. Le fait de le faire un peu plus tôt, ça permet donc du coup d'être plutôt bien lors du double drop. Pensez donc du coup à peu près au nombre de cristaux où vous en êtes et normalement tout devrait bien se passer. Essayez de faire un calcul ou un truc comme ça. J'essaierai de mettre un lien dans la description. Voilà, normalement tout devrait être ok. J'espère que vous comprendrez l'image et tout. Ça devrait être pas mal. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez compris, pardon, un peu ce que je vous ai dit. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.